bienvenue à tous dans cette émission Regards croisés, gérée par l'association Demain Citoyen, dont je suis le vice-président Noé Jarige. Et à mes côtés se tient Louis Dumurgier, président et fondateur de Demain Citoyen. Mais Demain Citoyen, c'est quoi? Inciter l'engagement politique de la jeunesse. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre une participation électorale de la jeunesse plus importante. Mais Demain Citoyen, c'est surtout une équipe de 35 lycéens et étudiants unis dans cet idéal de défendre la démocratie, de la promouvoir et de faire des citoyens de demain des électeurs éclairés. Bonsoir à tous, merci d'assister à cette première émission de Demain Citoyen, l'association apartisane qui vous informe sur les sujets de société. Et ce soir, nous aurons l'honneur d'avoir à notre table Lionel Cos. Je voulais vous présenter. Oui, bonsoir. Lionel Cos, député des Landes, député de la 10e circonscription des Landes, le Sud-Ouest, et membre de la commission de développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Madjoula Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Donc Madjoula Aïdara Diaby, maire adjointe à la jeunesse, au sport, Jeux olympiques et paralympiques, coopération décentralisée et déléguée à l'AMF sur les questions de la petite enfance et du handicap. Donc Christophe Neigelen, bonsoir. Bonsoir à vous, Christophe Neigelen, député des Vosges, membre de la commission des finances. Boris Ajo, député des Landes. Comme Lionel Cos, mais sur la 3e circonscription, vous êtes une association apolitique, mais moi je fais de la politique, je suis député socialiste. Alors merci à tous, et donc je vais vous demander, Christophe Nagel, d'expliquer votre fonction rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément la signification d'un député. Alors un député, il fait plusieurs choses. Déjà, il fait la loi. C'est ce que nous faisons avec mes collègues par le biais de dépôts d'amendements lorsque c'est des projets ou des propositions de loi. Nous, on est aussi capable d'être force de proposition en proposant aussi des lois. On contrôle les politiques publiques. Après, on a chacun une façon différente d'aborder le mandat de député. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, on est certes élus nationaux, mais on doit avoir un vrai ancrage local. Et c'est pour ça que moi, j'ai quand mal de dire que je suis député des Vosges et que je suis là aussi pour représenter ma circonscription, chose que des fois dans les débats dans l'hémicycle, quand on écoute certains partis, c'est pas forcément la vision qu'ils ont du mandat de député, mais pour moi c'est l'un des principaux objets de notre mandat, représenter notre circonscription et les spécificités de notre territoire. Et Madjoula Aïdara, vous êtes troisième adjointe au maire. Oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre fonction, ce que vous faites? D'accord. Donc ma délégation concerne la jeunesse, les sports, comme je l'ai dit. En 2024, l'île Saint-Denis va accueillir les Jeux Olympiques, d'où la délégation des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur lequel on va vraiment mettre l'accent, et la coopération décentralisée, puisqu'on va travailler avec les différents pays du monde entier qu'on va accueillir en 2024. Donc la fonction de maire adjointe, c'est de travailler pour les administrés, être au plus près des habitants, des habitantes et habitants, être à leur écoute, être force de proposition et travailler au jour le jour sur les différentes problématiques autour de nos délégations. Donc on travaille avec des directeurs, des agents communaux qui sont les directeurs, des responsables et différentes équipes comme les éducateurs quand il s'agit du sport, des informateurs jeunesse pour la jeunesse, etc. D'accord, merci beaucoup. Donc on va passer à la première partie de cette émission, qui concernera l'engagement de la jeunesse. On note un vif désintéressement de la jeunesse par rapport à la cause publique. Donc selon vous, à quoi est-ce dû? Comment y remédier? Et quelles solutions proposeriez-vous afin de remédier à ce problème? Quelqu'un aurait envie de prendre la parole en particulier? Monsieur Ballot. D'abord, peut-être vous faire remarquer que vous êtes la démonstration exactement inverse de l'intitulé de votre diagnostic, puisque vous êtes là et que vous montrez de l'intérêt pour la chose publique et la chose politique, la chose de la cité. Et puis, je voudrais aussi, par le témoignage d'événements récents, vous dire qu'à mon avis, vous trompez, même si les formes d'engagement ont changé. Mais les grandes manifestations pour le climat, et d'une certaine manière pour le climat et pour la justice, ont quand même mobilisé essentiellement une génération, à telle enseigne qu'on l'a qualifiée de génération climat, et qu'elle a eu comme incarnation mondiale Greta Thunberg, qui est une jeune femme qui a 16 ou 17 ans et qui s'intéresse à la chose publique. On pourrait dire de la même chose dans les grandes manifestations antiracistes. Regardez, c'est beaucoup de jeunes qui sont présents. Donc je crois que la réalité, c'est que
s'il se détourne d'un système partisan, ne se désintéresse pas de la chose publique, et ils sont dans un militantisme de cause, et je crois que ceux qui révoltaient la jeunesse hier, la révolte, et c'est heureux encore aujourd'hui. Madula et Dara, vous avez organisé en 2019 un concours d'éloquence où vous incitiez les jeunes à prendre la parole, donc notamment les élèves du 92 et du 93, au sein même de l'Assemblée nationale, il me semble. Était-ce une manière pour vous d'inciter les jeunes à s'engager ? Oui, alors pour remettre les choses en contexte, je suis à la fois, je suis à la fois maire adjointe, mais de profession depuis 18 ans, je suis conseillère principale d'éducation, d'accord, en zone d'éducation prioritaire renforcée. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un territoire appauvri où l'inégalité territoriale se fait ressentir. Donc la première des choses, pour que le jeune puisse s'engager, encore faut-il qu'il puisse s'exprimer, avoir les codes et surtout développer son esprit critique. Donc étant donné qu'on aura les Jeux Olympiques, j'ai allié l'éducation et le sport en organisant donc à deux reprises, et puis ça va continuer jusqu'en 2024, un concours d'éloquence olympique. Donc ce concours, on y voit des collégiens comme des lycéens, donc vous avez bien dit de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, et ils ont une question, ils doivent y travailler par groupe. L'idée c'est la cohésion de groupe, développer l'esprit critique. La première compétence c'est l'oralité. Donc les amener à pouvoir s'exprimer de manière fluide et ensuite développer des idées, l'argumentaire. Donc j'ai voulu y mettre l'accent et ce concours, c'est plus un challenge, ça doit être avec des touches d'humour, mais développer une question et montrer que le territoire, aussi bien de la Seine-Saint-Denis que des Hauts-de-Seine, sont capables, au sein de la Maison du Peuple, hein, qui est l'Assemblée nationale, de défendre des idées autour de la citoyenneté, du sport, des Jeux Olympiques. Chaque équipe doit porter le nom d'un médaillé paralympique. C'est très important parce que quand on demande « connaissez-vous un athlète olympique ?», le nom vient tout de suite, mais paralympique, c'est un peu plus compliqué. Donc on met l'accent sur le paralympisme pour défendre également les valeurs, tout ce qu'il y a autour du handicap. Donc nous allons aborder le deuxième thème, donc, qui est la crise du coronavirus. Donc, dans un entretien au Monde le 17 mars dernier, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirmait, donc, je cite, « On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade ». Cette déclaration d'un ancien membre du gouvernement montre qu'au sein même de ce gouvernement, la gestion n'a pas fait l'unanimité. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la gestion du coronavirus et quelles sont les leçons que l'on peut en tirer? Quelqu'un veut prendre la parole Si vous voulez, je peux donner déjà mon point de vue. Il faut déjà remettre les choses dans leur contexte et au moment où elles sont arrivées. Il y a un an, même encore en début d'année 2020, personne n'aurait imaginé, dans notre pays ni d'ailleurs, qu'un virus pourrait, à ce point-là, avoir un impact aussi fort dans nos sociétés, dans nos pays. Impact social, impact économique, impact environnemental, énormément de choses, c'est-à-dire qu'on a vu la quasi-totalité des pays à travers le monde s'arrêter presque du jour au lendemain, avec des décalages, des différences selon, je dirais, les choix politiques qui ont été faits par les uns et par les autres. Je sais que pour beaucoup, et le débat a lieu depuis longtemps, déjà depuis presque le jour où ça a démarré, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas assez, c'est trop. Moi, je considère que lorsqu'il y a une crise aussi importante, il faut se donner le temps de l'analyser. Et c'est certainement pas chaud qu'on peut faire le bilan définitif. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà, je dirais, des orientations et des choses que l'on peut mettre en avant. Il y a eu, bien sûr, des fautes et des erreurs, certainement. Pas se le leurrer, mais vu la gravité de la Covid, qui n'en a pas fait, quel pays n'en a pas fait. Bon. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, il faut aussi voir ce qui a été fait. Et je crois que notre rôle aussi d'élu, à travers ce que l'on a porté les uns et les autres, puisque dès que le Covid est arrivé, très très vite, on a eu des projets de loi rectificatifs, des BLFR, qui nous ont rassemblés à l'Assemblée nationale, on a porté des choses, on a essayé de mobiliser les moyens de l'État. On a vu, je tiens à le dire aussi, au niveau des services de l'État, le département des Landes, on a eu
comité de liaison avec toutes les directions des services, avec les élus, avec les acteurs, toutes les chambres consulaires. Il y a une mobilisation très très forte. Et on a vu que ce sujet-là n'a pas été pris à la légère et que tout le monde a essayé de faire le maximum. Le maximum pour éviter, je dirais, le pire pour celles et ceux qui étaient les plus gravement touchés, d'abord sur le plan de la santé, tous ceux qui étaient dans nos hôpitaux, tous ceux qui sont malheureusement, et on est tous décédés. Et ensuite, sur le plan, je dirais, économique, toutes celles et tous ceux qui se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain sans travail. Donc c'est la raison pour laquelle il a fallu prendre des mesures, mettre des moyens financiers très très importants pour essayer de faire en sorte que notre pays ne sombre pas de façon définitive sur une récession ou sur une situation qui serait trop compliquée à relever. Donc l'objectif qui, je pense qu'on le partage tous, après tout le monde l'aurait fait peut-être différemment, c'est pas de problème, on peut en parler, c'est normal, c'est le débat, et chacun apporte ses réponses, ses solutions. Néanmoins, ce qu'il faut que l'on fasse quand on prend les décisions, et je pense que c'est ce qu'on essaie tous autant que possible à faire depuis le mois de mars, c'est faire en sorte voilà, d'éviter le pire et qu'on puisse rebondir dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Plus vite possible, c'est vous permettre à vous, les jeunes, de redémarrer aussi votre scolarité le plus tôt possible dès début septembre, parce que ça me semblait important. On a eu sur le plan de l'éducation, je dirais, un décrochage massif en fin d'année. Les enfants, ils ont vos âges à peine plus que les vôtres. J'ai constaté, j'en ai un depuis le 17 mars, il n'a toujours pas repris les cours. Je peux dire que c'est quand même assez long, c'est compliqué, ça se gère, voilà. Donc, ça aussi, ce sont des choses qu'il a fallu, à un moment ou à un autre, trancher. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Est-ce qu'il fallait redémarrer les cours, ne pas les redémarrer? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez redémarré. Et je pense que vous aussi, vous êtes heureux d'avoir retrouvé vos collègues, d'avoir retrouvé vos enseignants et de pouvoir repartir, apprendre des choses et poursuivre vos parcours et vos études. Voilà. Donc c'est un exemple de décision qu'il faut prendre ou un autre. C'est ça aussi le rôle des élus, des politiques. Le bilan définitif, ne vous inquiétez pas, il se fera. Je ne doute pas que tout le monde y apportera sa pierre, tout le monde y apportera son avis, mais aujourd'hui, je crois que notre pays a su quand même globalement faire face. Mon département des Landes, j'entends régulièrement tous les présidents de chambres consulaires, les acteurs du territoire, aussi les élus. Franchement, les critiques sont minimes. Il y a eu quelques grains de sable, les grains de sable ont été levés très très vite parce qu'on aurait pu quand même avoir dans les roues un bâton. Là, ce qu'on a eu, sont des grains de sable. Voilà, et ça, on sait les gérer beaucoup plus facilement que lorsque la roue s'arrête définitivement. D'accord, merci beaucoup, Lunikos. Maintenant, j'aimerais vous attirer votre attention sur le plan de relance, donc 35 milliards pour la relance des entreprises, 35 milliards également pour la cohésion, la santé, et enfin 30 milliards pour la transition écologique. Que pensez-vous de ce plan relance, de l'attribution du budget? Peut-être est-il trop, pas assez? Et notamment, que pensez-vous de l'action européenne par rapport à ce plan de relance? Peut-être. Oui. Très rapidement, parce que je pense que c'est important aussi dans un débat d'avoir, d'avoir un tout petit peu de contradiction. Quand vous parliez tout à l'heure de la façon dont, ça, dont a été gérée la COVID-19, il y a le fond, la forme, l'économique, le sanitaire. C'est-à-dire que si on regarde sur la forme, on a eu au départ un certain discours qui dit « surtout ne mettez pas de masque », on a eu une communication qui était franchement à n'y rien comprendre, pour après nous dire que les masques étaient obligatoires. Et la question que vous aviez posée initialement, c'est qu'est-ce qu'on en a retenu? Ce qu'on a retenu, c'est qu'on a un vrai besoin de décentralisation. On a un vrai besoin d'être au plus proche des territoires. Je viens des Vosges, un des départements les plus touchés par la Covid-19 dès le début, avec beaucoup de morts. J'ai 4 EHPAD qui ont eu plus de 20-25 décès dès les premiers jours, avant même que le gouvernement lance les plans début mars. Il était impossible de prendre une décision. Un directeur d'EHPAD qui alertait l'ARS ne recevait pas de réponse. L'ARS départementale demandait à l'ARS régionale, l'ARS régionale demandait au ministère, et on attendait 2-3 jours avant que ça redescende. Pendant ces 2-3 jours, il y avait des personnes contaminées qui ont contaminé d'autres, et c'est là qu'il y a eu vraiment des décès. Donc s'il y a quelque chose à retenir de cela, c'est déjà pas de précipitation dans la communication, parce que la communication, c'est bien, trop communiquer, pas forcément positif, premier point. Et deuxième point, un vrai besoin de décentralisation pour prendre des décisions au plus près des problématiques. Voilà pour après la partie économique, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, je pense qu'on a plutôt bien géré les propositions qui ont été faites par le gouvernement et votées par le Parlement sont plutôt correctes et cohérentes, et je parle non seulement en tant que député mais aussi en tant que chef d'entreprise.
Mes magasins ont été en fermeture administrative du 16 mars au 11 mai, comme beaucoup d'autres. Les aides étaient plutôt cohérentes. Et quand je discute avec des salariés et des entrepreneurs, en effet, ce qui a été fait par le gouvernement est plutôt correct. Par contre, au point de vue sanitaire, le deuxième point que ça amène, c'est qu'on a un vrai besoin d'investir beaucoup plus dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction territoriale aussi hospitalière. C'était les parents pauvres. Aujourd'hui, ça nous montre qu'on a un vrai besoin de recrutement, de formation, de aussi bien nos ASH que nos aides-soignantes, que nos infirmières, que le personnel médical, hospitalier et paramédical dans sa globalité. Voilà un peu les leçons qu'on peut tirer de cette crise du Covid-19. Donc pour en revenir justement à la communication, donc au début de la crise sanitaire, vous l'avez dit, le gouvernement a véhiculé des messages très différents concernant le port du masque. Alors oui, il faut absolument le porter, non, ça sert à rien. Enfin surtout, non, ça sert à rien. Ce qui a pu dégrader la confiance de certains Français à l'égard de l'État. Certains Français, pas tous, bien sûr. Aujourd'hui, le port du masque est bien sûr obligatoire. Mais que pensez-vous de la communication du gouvernement par rapport au port du masque ? D'abord, dans la communication, vous avez tout à l'heure cité Agnès Buzyn, en oubliant de dire qu'elle était ministre de la Santé. Et qu'au moment où elle parle, on fait l'aveu plus tard, les larmes au moment de son discours... sont commandés par la crainte qu'elle a de voir arriver une vague pandémique qui emporterait tout. Et il faut dire, parce que moi je suis vice-président de la commission d'enquête sur la Covid, qu'elle a eu une intuition, plus que d'ailleurs certains autres scientifiques, puisqu'il y a eu des débats, et évidemment c'est compliqué, et elle a eu une alerte assez précoce. Voilà. Madame Buzyn. Alors on peut se dire que, forte de cette inquiétude, elle aurait dû rester en poste. C'est sans doute ce qu'elle aurait dû en effet faire, et peut-être se le dit-elle aujourd'hui. Après, sur la communication, vous avez raison de dire que c'est une communication qui s'est adaptée à la disponibilité des masques et des tests. Quand il n'y a pas de masques et il n'y a pas de tests, c'est pas utile. Et quand il y a des masques et des tests, ça devient indispensable. Et qu'en effet, dans une gestion de crise, la question de la confiance est extrêmement importante. Elle l'est d'autant plus que vous avez vu... un certain nombre de polémiques émergées, notamment autour de la chloroquine, où chacun prenait parti comme si la science était une opinion. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a eu des interpellations fortes pour dire vous êtes pour ou contre la chloroquine, et celui qui en était le promoteur, le professeur Raoult. Mais la sagesse nous commandait aux uns et aux autres de dire, sauf pour ceux qui étaient médecins, qui pouvaient avoir une opinion, j'allais dire, étayée, mais en tout cas, ce n'était pas mon cas, de dire on n'en sait rien. Il y a un certain nombre de protocoles qui doivent permettre de déterminer si c'est efficace ou pas. Je crois que les conclusions, c'est que ça ne l'est pas vraiment. Donc oui, la communication, c'est quelque chose dans une crise qui est extrêmement importante parce que ça sape la confiance. Et là encore, dans les événements récents, c'est vrai qu'il y a un moment de flottement entre un Premier ministre qui, fin août, dit à propos du Covid, il n'y a pas de quoi s'affoler, il y a plus lieu de s'inquiéter de la crise économique aujourd'hui que de la crise sanitaire. Et là, on voit bien les difficultés dans lesquelles nous sommes, toujours... avoir en tête qu'en effet, c'est une épidémie qui dépend de la nature du virus, mais qui dépend aussi des comportements humains, et ceux-là sont évidemment très aléatoires. Merci beaucoup. Madula et Dana, vous pourriez répondre sur la gestion de la crise, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, on a traversé une crise sanitaire et sociale qui nous a été imposée par le coronavirus. Donc, je voudrais, dans un premier temps, avoir une pensée pour tous les défunts, puisqu'ils sont nombreux dans le monde entier. Ensuite, le premier constat, pour en tout cas les établissements fragilisés. Et le premier constat pour les établissements fragilisés a été l'urgence alimentaire. C'est très important de savoir qu'avant qu'il y ait une continuité scolaire ou avant qu'on se préoccupe de la communication qui se fait dans les médias, il faut que les fragilisés, les plus vulnérables, aient de quoi manger. Alors qu'on a été en proie au chômage, à la pauvreté, les familles fragilisées le sont de plus en plus. Donc, en tout cas, en Seine-Saint-Denis, on a vu un élan de générosité, une solidité de la part de la jeunesse qui s'est impliquée en se mobilisant. Il y a eu des distributions des denrées alimentaires pour les plus fragilisés à partir d'une liste préétablie. Ensuite, après avoir constaté qu'il y avait l'urgence alimentaire et avoir répondu à la question en donnant des colis aux familles en question, le deuxième constat a été d'assurer la continuité scolaire.
Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une fracture numérique. Tous les élèves ne sont pas équipés, on parle de communication, tous les élèves ne sont pas équipés d'une tablette ou d'un ordinateur portable. Donc il y a de grands groupes qui ont aidé les établissements de la Seine-Saint-Denis, entre autres, pour qu'ils puissent avoir une tablette, un ordinateur portable. Mais du coup, il a fallu pallier autrement. Et du coup, les enseignants, en tout cas la communauté éducative, a dû s'adapter et a proposé des choses toujours dans l'urgence. Donc constitution de groupes WhatsApp, de groupes même Snapchat par les enseignants pour rentrer en contact avec les élèves, puisque certains ont été très éloignés, certains, on a perdu des élèves de vue, hein, certains ont été à l'étranger pensant qu'ils allaient échapper à quelque chose. Donc après l'alimentaire, le deuxième constat, la fracture numérique, une fois qu'on a répondu à ces deux questions, là on peut se dire comment se passe la communication, comment pallier, quelle gestion faire, etc. Nous, sur la commune de l'Île-Saint-Denis, depuis 2 ans, on a mis en place le BAFA citoyen. Le BAFA citoyen, c'est payer le BAFA, donc ce qui permet d'avoir le premier brevet d'animateur à des jeunes en situation de fragilité, où les familles n'ont pas spécialement les moyens. Et ces jeunes-là, en contrepartie, ils donnent 30 heures dites citoyennes. Donc citoyennes, c'est-à-dire qu'on va leur demander un engagement citoyen. Et ce sont ces jeunes du BAFA citoyen qui allaient distribuer les denrées alimentaires. Vous avez parlé d'EHPAD tout à l'heure. Eh bien, les seniors étaient en proie à l'isolement, donc il ne fallait pas les oublier. Donc, avoir un contact téléphonique journalier par des jeunes qui se préoccupent de leurs aînés, c'était très important. Donc, mettre l'accent dessus. Et là, on a vu une solidité de la proximité, que ce soit les commerçants, les agents communaux, les bénévoles, les volontaires. Tout le monde devait s'impliquer. Donc, la gestion de cette crise s'est faite de manière... créative, fallait être force de proposition, mais à tous les niveaux, en impliquant un maximum de personnes, et je veux dire les volontaires qui étaient disposés à intervenir. D'accord, merci. Donc on va revenir sur le sujet d'éducation, notamment avec votre proposition de Lionel Cause pour la gratuité des masques dans les établissements scolaires, puisque la rentrée a eu lieu en début septembre avec le port du masque obligatoire à partir du collège jusqu'à la fin des études supérieures. Donc Lionel Cause, vous avez fait une proposition qui était justement de 150 millions pour venir à tous les élèves, tous les collégiens, lycéens et étudiants, des masques lavables afin d'assurer la protection. Oui. C'est une proposition que j'ai portée, je suis pas seul à l'avoir soutenue et à continuer à la porter d'ailleurs, puisque je considère qu'elle est toujours d'actualité, même si pour le moment il y a peut-être un peu moins d'urgence et que, comme vous disiez, en cas d'absence, il y a toujours un système qui se met en place et il y a une autre solidarité qui a été mise en place à travers les 50 millions de masques qui ont été envoyés par le gouvernement à tous les enfants les plus fragiles sur le plan social, les familles les plus fragiles, mais que les collectivités territoriales se sont fortement mobilisées, comme elles l'ont fait aussi, d'ailleurs avec le soutien de l'État, à la fin du confinement. Néanmoins, il me semble, je reste convaincu de ça, c'est que une position claire du gouvernement pour assurer à notre jeunesse, à partir du moment où elle leur disait que dans les établissements scolaires, le masque est obligatoire, c'est une compétence du système de santé publique. Il s'agit d'éducation, donc je le maintiens, je continue à le dire. Il me semble que le gouvernement aurait dû, en cette responsabilité, l'assumer, quitte à l'assumer avec d'autres partenaires, avec des collectivités, départements, régions, départements, communes, comme ça s'est fait au mois de mai, juin, sur tout ce qui a été acheté par les collectivités. L'État est arrivé à 50% pour aider l'acquisition des masques. On aurait pu maintenir ce principe au moins jusqu'à la fin de l'année, voir après en 2020 ce qui va se passer, etc. Parce que résultat, aujourd'hui, on est certainement, mais j'avoue que je n'ai pas de retour, je vous avais d'ailleurs interrogé déjà, je pense que les associations, vous avez peut-être un rôle à faire là-dessus. Je ne sais pas trop si il n'y a pas de différence territoriale. Il y a des départements qui n'ont peut-être pas mis à disposition des masques, des régions qui n'en ont peut-être pas mis. Et surtout, ce qui restera toujours pour moi un regret, mais on peut continuer à travailler et à pousser, peut-être que nous aussi le Parlement, et j'aurais aimé aussi que le Parlement européen, qui est député européen, se mobilise là-dessus d'ailleurs, j'y reviendrai, je suis assez inquiet pour la reprise des étudiants.
On sait que la situation des étudiants est fragilisée, qu'elle va être compliquée. Ils vont commencer à reprendre progressivement les cours. On va se retrouver dans des amphis, dans des salles. Je ne suis pas persuadé que le port du masque se fasse facilement et qu'ils aient tous la capacité de pouvoir faire l'acquisition de masques régulièrement et suffisant pour pouvoir garantir une protection de la leur, mais aussi celle des autres. Voilà. Donc je ne change pas d'avis. C'est un débat qui n'a pas suffisamment avancé, en tout cas en termes de responsabilité, à mes yeux. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a eu des solutions qui ont été apportées, tant mieux. Mais je crois que le sujet reviendra sur la table très vite. Sur ce sujet, sur les masques, nous, depuis avril dernier, on propose la gratuité des masques parce qu'on sait qu'il y a une différenciation sociale très forte dans l'usage des masques. Pour se protéger soi-même et protéger les autres, il y a une question de santé publique qui doit être indistincte selon les revenus des uns et des autres. J'ai moi-même interpellé le gouvernement pendant le confinement dans la question d'actualité. On était plus que deux ou trois par groupe dans des conditions, enfin, on l'a vécu dans des conditions très, très particulières. Bon, on s'est heurté à la différence du gouvernement. C'est dommage. Heureusement que les collectivités locales, je crois dans leur grande majorité quand même, Lyonnais, maintenant, quelles que soient d'ailleurs les tendances politiques. En tout cas, dans les Landes, nous, le département l'a fait. Dans les Landes, Nouvelle-Aquitaine, c'est fait, je ne sais pas. Voilà, donc c'était important. Juste un tout petit mot sur la question du décrochage, et vraiment, le témoignage est vraiment important. Moi, je me souviens des premiers jours du confinement, et des critiques qui étaient formulées sur un prétendu incivisme d'un certain nombre de quartiers, beaucoup oubliant que certains étaient allés à la Gaule pour passer le confinement, enfin, d'autres étaient restés dans des appartements qui étaient exigus, dans des conditions difficiles. Et on a vu des mouvements de solidarité extraordinaires. Et c'est vrai qu'on en a... On en a été les témoins, une citoyenneté en action, en particulier de la jeunesse. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis, il y a eu des interpellations des élus, disant, vous avez pensé avec le chômage partiel, très bien, ceux qui avaient un emploi, mais ceux qui n'en ont pas. Ceux qui avaient des petits boulots auxquels il a été mis fin, qu'est-ce qu'ils ont, eux, rien. D'ailleurs, dans le plan de relance, c'est aussi la partie aveugle de la proposition du gouvernement. Il y a moins de 1% des 100 milliards qui sont destinés aux plus précaires. Et pour les jeunes, sur le plan de la précarité, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce que disent d'ailleurs toutes les associations de jeunesse et étudiantes. Sur le décrochage scolaire, on l'a vu, c'est difficile, même dans des milieux privilégiés, moi je considère que mes enfants avaient quand même plutôt de la chance, se retrouver à devoir mobiliser 4 tablettes, ordinateurs, au même moment, c'était pas une évidence. Là aussi, dans les Landes, depuis longtemps, on a un dispositif qui est un ordinateur, un collégien, et qui permet de rétablir une égalité. Il y avait eu, il y a quelques années, le lancement d'un programme qui s'appelait plan numérique à l'école, qui prévoyait l'équipement de tous les élèves, la formation des enseignants, et puis le développement d'une offre souveraine, parce que l'éducation, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Ce projet a été arrêté, et on s'est aperçu dans l'urgence qu'on en avait besoin, et alors que pendant des années, on se préoccupait des données personnel des élèves, on s'est jeté dans les bras des GAFA, on a tous utilisé Zoom, WhatsApp, etc., dans des conditions d'urgence qui remettent en chantier cette question-là. Là, comme vous êtes principal d'éducation, vous avez été en première ligne témoin de ça, en particulier dans les REP. Alors, je voulais simplement rappeler qu'au début de cette crise, il y a eu une pénurie de masques. Donc à l'île Saint-Denis, on s'est dit qu'il faut que les citoyens soient force de proposition et on va réussir collectivement. Donc plutôt que d'attendre du département, même si c'est très bien qu'ils offrent des masques, l'objectif, alors on est une petite île hein, de 8000 habitants, était un masque par habitant. Donc la commune a fourni le kit pour fabriquer le masque et chaque volontaire pouvait venir dans une pièce où il y avait une centaine de machines à coudre, confectionner des masques, et on a eu l'objectif de l'été, puisque malheureusement tout le monde ne pouvait pas partir en vacances, c'était de confectionner 8000 masques, et on a eu plus de 10 000 masques confectionnés. Donc une distribution symbolique, en plus des dons du département aux habitants de la commune. Tout à l'heure, vous parliez du chômage partiel, revenons-en. Quel impact cela a pour l'économie vous, Christophe Najat, qui avez une entreprise, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Y a-t-il eu beaucoup d'abus au chômage partiel? Et si oui, de quelle sorte? Non, très honnêtement, je pense que dans le contexte dans lequel on était, on n'avait pas forcément la tête, et les entreprises en général n'avaient pas forcément la tête à essayer d'abuser. Ils étaient plutôt
plutôt à essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait sortir les rames pour continuer à avancer. Il y a eu des idées d'ailleurs innovantes qui ont été mises en place. Il y a eu aussi, et c'est une chance, on se rend compte que le télétravail a un bel avenir devant lui, parce que beaucoup d'entreprises ont mis des personnes au télétravail, ont continué à fonctionner, et on se rend compte que ça marchait. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui montre qu'on a besoin de continuer à développer dans les territoires, notamment le haut débit. Pourquoi ? Parce qu'on a des territoires... Je prends l'exemple des Vosges, mais c'est exactement la même chose dans les Landes. On a en France des territoires hors grande ville qui sont magnifiques. Si demain, on arrive à y amener... Surtout dans les Vosges. Merci, Boris. Donc, non, mais c'est vrai que dans la montagne Vosgienne est plutôt magnifique. Si on y arrive à amener tout ce qui est nécessaire en termes de haut débit, on arrivera aussi à y ramener de la population. Aujourd'hui, ce sont des territoires qui perdent la population. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de services publics. Et pourquoi il n'y a pas de services publics ? Parce qu'il n'y a pas assez d'habitants. Donc, on est dans un vrai cercle vicieux. Demain, on est capable d'y ramener du travail, soit du fait de la réindustrialisation, parce que c'est l'une des autres conclusions qu'on doit tirer de cette crise. On a besoin de réindustrialiser en France. J'en parlerai tout à l'heure, notamment sur les usines textiles dans les Vosges. Mais on a aussi la possibilité de développer certains territoires grâce au télétravail. Donc, non, le chômage partiel, je ne pense pas qu'il y ait eu énormément d'abus. Ça a été, je le redis, une très bonne mesure qui a été mise en place par le gouvernement, qui a coûté très cher, mais qui a permis de sauvegarder un grand nombre d'emplois. Juste pour revenir sur les usines textiles, on a parlé de chaînes de solidarité. Ces chaînes de solidarité, elles étaient du fait de citoyens, de personnes, mais aussi du fait d'entreprises. Nous, les Vosges, quand même, territoire textile, 30 000 emplois dans les années 70, 3 000 emplois maintenant, donc on a vraiment été touchés depuis ces 30 dernières années. Toutes les entreprises ont mis à contribution, entre guillemets, l'outil de production et leurs salariés pour faire des masques qu'ils ont donnés dans des EHPAD qui, je le répète, étaient au début abandonnés par les pouvoirs publics. Donc il y a une vraie chaîne de solidarité aussi avec les entreprises. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on leur a demandé, les préfectures, les administrations leur ont demandé d'en produire, et aujourd'hui ils se retrouvent avec énormément de masques sur les bras, et c'est malheureux, et c'est pour ça que quand on voit tous ces masques, qui sont les masques chirurgicaux standards, c'est presque dommage, parce qu'il y a des masques, si on prend le nombre de fois qu'on peut utiliser un masque chirurgical et le nombre de fois où on peut utiliser les masques faits en tissu, si on le ramène au prix unitaire, à la limite, c'est plus économique quand même d'avoir un masque en tissu lavable, et ça permet de faire fonctionner l'industrie française. Donc c'est vrai que plutôt que des masques chirurgicaux, je vous invite à acheter des masques en tissu et si possible de fabrication vosgienne. Oui, il y a eu de très beaux masques fait aussi dans les Landes. Et c'est vrai que, même si on n'a pas peut-être la même histoire que dans les Vosges, on a eu beaucoup d'initiatives, on a eu des chaînes de production s'installer et créer d'ailleurs de l'emploi pendant le confinement. On a eu des entreprises locales, je ne citerai pas là, mais qui se sont installées en proximité ou alors des initiatives à travers des associations ou autres. Donc ça a créé aussi une certaine dynamique, une certaine activité. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que la reprise est peut-être plus forte que ce qu'on attendait, que prévu en tout cas. Il faut attendre encore quelques mois parce que tous les trimestres, de revoir même tous les mois et des choses sont plus ou moins ajustées. Mais je pense qu'en fin d'année, on verra. Il semblerait que les mesures permettent une reprise d'activité un petit peu plus forte d'ailleurs que ce pays européen. Et tant mieux, et c'est important. Maintenant, il y a des métiers qui ont souffert, qui vont souffrir, qui risquent même quasiment de disparaître, et d'autres qui vont se créer et revenir, parce qu'on passe d'un monde qui était complètement ouvert, un monde qui s'est fermé, et on est très lassé de rouvrir avec des habitudes et, je dirais, des actions, un travail différent, alors peut-être un peu plus dans les départements ruraux, et tant mieux, donc ça, il faut qu'on poursuive le travail qui se met sur la fibre, le tour de débit, etc., tout ce qui se met. Mais on sait qu'il y a des secteurs, comme tout ce qui concerne la mobilité de façon générale, je pense à l'aérien, va souffrir, il va devoir se réinventer. Voilà. Donc il faut qu'on retrouve un équilibre complet. L'agriculture, c'est pas trop mal de porter. Par contre, à Paris, c'était la catastrophe. Je suis très inquiet pour les actions à Paris. Donc maintenant, il va falloir qu'on arrive à faire de la dentelle. Si on a fait des mesures de masse, beaucoup d'argent pour tout le monde, on a mis plus de 6 milliards aussi sur le fonds de solidarité, qui
été injecté l'économie. Je crois que maintenant, il faut qu'on arrive secteur par secteur à voir ceux qui sont en difficulté et aussi par territoire. Parce qu'il y a un enjeu de territoire et chaque secteur sur chaque territoire n'est pas dans la même situation. Voilà, donc c'est tout un travail qui se mène avec les acteurs locaux, avec monsieur le gouvernement. Il y a de l'argent, l'argent est là de façon importante et il faut qu'il soit bien distribué et qu'il aille, je dirais, sur vraiment celles et ceux qui en ont le plus besoin pour aider, accompagner l'emploi, accompagner celles et ceux qui sont en difficulté, même si sur quand même les jeunes, il y avait dans l'emploi. La prime hein, qui est quand même importante, il y a quand même des choses qui se mettent en place, le restaurant universitaire à 1 euro, c'est bien aussi, il y a quand même des choses qui se mettent en place, tout ça, ça a aussi des coûts, ce sont des choix, et peut-être qu'il faudra les réajuster, on verra, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses à identifier et à flécher le mieux possible. D'accord, merci beaucoup. Avant de passer au thème suivant, vous pouvez répondre. Non, juste sur la crise et la réponse à la crise, je ne sais pas si on m'entend, mais on m'entend. Cette crise, elle en révèle beaucoup d'autres qui lui préexistaient. En fait, elle a, j'allais dire, peut-être, en tout cas, il faut le souhaiter. Ce que disait le conseil d'Obama, il ne faut pas rater une crise. C'est qu'il faut qu'on en tire des leçons. Et qu'elle est apparue comme une forme d'ultimatum social et écologique. Et donc, dans la réponse à la crise, il y a deux questions qui se posent à nous de façon structurelle. Non seulement faire redémarrer la machine, très bien, on ne peut pas la faire redémarrer comme hier. Et on se pose la question de savoir avec quoi il faut rompre. Moi, de mon point de vue, il faut rompre avec un monde devenu invivable du fait de l'explosion des inégalités, un monde devenu inhabitable du fait du réchauffement climatique. Et sur ces deux plans-là, évidemment, il y a des réponses qui divergent selon les sensibilités qu'on peut avoir à ces questions-là. Et il y a beaucoup d'argent sur la table, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent sur la table. Et à un moment donné, la question se posera de savoir qui la paye, cette dette. Et là, il faudra qu'il y ait de la justice. Et que ceux qui peuvent la payer, les plus riches, soient plus mis à contribution que les autres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a un certain nombre de tournants, on parle de la rénovation thermique, il y a des efforts qui sont faits, mais ils sont très insuffisants, parce qu'en réalité, au rythme que le gouvernement escompte, avec l'augmentation significative d'un certain nombre de dispositifs, on rate de 20 ans la cible de la neutralité carbone. Et ça s'impose à nous tous aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité de tourner le volant. Donc il faut être extrêmement mobilisé là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que cette crise, elle serve de leçon à tout le monde. On a noté qu'au dernier municipal de juin, on a noté un pont des écologistes, vous en parliez tout à l'heure. Ils ont notamment remporté les mairies de Bordeaux et Strasbourg, donc qui sont des villes de grandes villes. Dans ce contexte, comment voyez-vous le paysage politique de demain aux élections présidentielles, par exemple ? Alors, je précise juste que je suis donc élue sur une liste écologique, citoyenne et solidaire, donc j'appartiens à aucun bord politique. L'urgence climatique, c'est un sujet qui concerne tout le monde, je veux dire que ce soit de droite, de gauche, peu importe. L'urgence climatique nous concerne tous. Donc faire des pronostics sur ce qui se passera plus tard, je ne sais pas. Mais que tout le monde soit impliqué collectivement sur la question de la transition écologique populaire, c'est jouable. Et ça peut se faire comment ? En sensibilisant les enfants depuis le plus jeune âge. Si on grandit avec cette culture d'écologie, de tri des déchets, etc., ça paraîtra normal. Et finalement, tout le monde pourra se revendiquer être écologiste. À l'île Saint-Denis, pour en revenir sur notre commune, il y a cette sensibilité depuis plus d'une vingtaine, voire une trentaine d'années. Quand on était tout petit, on faisait régulièrement le nettoyage des berges de Seine. Là, le samedi 19, il y a la World Cleanup, donc le nettoyage de la planète, hein, où tout le monde doit œuvrer. Donc c'est ce qui se fera à l'île Saint-Denis sur chaque quartier, avec le concours des associations, des agents communaux, surtout de la jeunesse, et des seniors qui seront disposés à être de la partie. Mais il faut une sensibilité depuis l'école. Bien que l'éducateur premier soit la famille, à l'école, si on voit qu'il y a récupération des déchets, nous, toutes les écoles, on récupère les déchets, on fait du compost. Il y a une sensibilité et on grandit avec. Ça permettra, je pense, demain, que n'importe qui, de n'importe quel bord, puisse y être. Donc je ne pourrais pas répondre à votre question de savoir quel duel on aura
ELV ou autre, mais ça peut être n'importe qui finalement. Oui, que l'écologie soit un enjeu important, essentiel pour l'avenir, c'est une évidence, ça l'est depuis longtemps. Je partage complètement que l'éducation, la sensibilisation est essentielle. J'ai été pendant plus de 10 ans président d'un centre permanent d'initiative à l'environnement, où l'objectif c'était justement d'éduquer, de sensibiliser à tous ces enjeux-là, des plus jeunes âges jusqu'à un petit peu plus grand. Je suis toujours dans cette association, dans ce CPIE, dans les Landes. Et beaucoup de choses se font à travers le système scolaire, à travers beaucoup d'associations, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer l'avenir. Néanmoins, c'est l'affaire de toutes et de tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on a tous des contradictions. Je vois beaucoup de jeunes, j'en ai vu encore lundi après-midi dans les Landes, où on a parlé de beaucoup de projets sur l'écologie et l'environnement. Et eux-mêmes me disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur génération, sur la plage centrale d'Osgore, le matin, c'était rempli de bouteilles, de déchets. C'est toute une génération qui est censée être aussi informée et éduquée sur tous ces sujets-là. Donc moi, je propose aussi un petit peu la question, jeune, comment vous voyez, vous aussi, les choses, parce que c'est bien de mettre ça en haut de la pile, mais derrière, même si nul n'est parfait, il y a des comportements à tout âge qui ne sont pas forcément exemplaires et qu'il faut qu'on arrive à combattre, qu'on arrive à faire changer. Ça, c'est pour juste un petit clin d'œil, je dirais, à la jeunesse aujourd'hui, et lui dire que, voilà, il ne s'agit pas d'en parler, il faut aussi agir, entre guillemets, beaucoup fort. Il n'y a pas de difficulté, mais comme partout, il y en a aussi qui ne respectent pas forcément ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qui sera aux élections de 2022, nul ne le sait. Que l'écologie, la transition écologique au sens large soit au cœur du débat, tant mieux. Moi, à titre personnel, ça va très bien. Comme j'ai dit, je suis du monde associatif de l'environnement. J'ai présidé la commission environnement département des Landes pendant 7 ans. Je suis en commission des DAT. Il y a de belles choses à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout se fera avec l'implication de chacun d'entre nous, avec les territoires. Moi, je crois qu'il faut mobiliser tout le monde et qu'on arrête un petit peu ce débat. Souvent, ça je le dis à mes collègues, je le dis parce que j'ai dit à tous les ministres depuis Nicolas Hulot, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, arrêtons de faire croire qu'un ministre est tout seul à régler les problèmes environnementaux. C'est faux. C'est faux. Nous, au Parlement, on est là pour donner un cap, on est là pour donner une réglementation, on est là pour donner des budgets sur ces sujets-là, et pour faire en sorte que les territoires soient dynamiques sur tous ces sujets-là. Et après, c'est au territoire de s'emparer. Donnant des objectifs, travaillant avec les territoires, on sera beaucoup plus pragmatique et on avancera sur tous ces sujets-là avec toutes celles et tous ceux qui veulent se battre. Il y a de superbes initiatives, il y a des gens qui ont des compétences et des connaissances exceptionnelles partout. Voilà. Donc moi, je vois plutôt l'écologie ainsi. Et donc, quel que soit le parti politique, tout le monde peut lancer cette dynamique et tout le monde peut mettre ça en haut de la pile des sujets qu'il a traités. Très bien, merci beaucoup. On parlait justement des territoires, de la dynamique des Vosges, des Landes, de l'Isère ou de la Seine-Saint-Denis. Donc moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que la décentralisation serait une solution pour donner plus de marge de valeur aux territoires parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles régions qui ont été créées il y a quelques années. Est-ce que ça permettrait aussi une meilleure représentation de la volonté, de la dynamique des territoires, cette décentralisation pour porter peut-être mieux les valeurs des habitants au niveau local? Je pense que c'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, on a un État qui est un pays qui est relativement centralisé. Vous parliez des grandes régions. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie solution non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé des régions où le siège du conseil régional se trouve à 3-4 heures, même des fois plus, de certains territoires. Il faut revenir à des échelons beaucoup plus proches. D'ailleurs, on l'a bien vu en temps de crise. Qui est-ce que les citoyens vont voir? Le maire, ses adjoints. Pourquoi? Parce qu'ils sont au plus près de ce qui se passe. Les conseils départementaux. À un moment donné, on entendait dans les rêves un peu présidentiels et gouvernementaux, finalement, les conseils départementaux, ça ne servent pas à grand-chose. Cette crise-là, elle nous a montré que les conseils départementaux servaient énormément, que c'était des vrais relais. Pourquoi? Parce que c'est l'une des collectivités qui est au plus proche des habitants. Pour moi, les grandes régions qui ont été faites, la loi NOTRe au moment du quinquennat Hollande, est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée, parce qu'elle a encore éloigné encore plus les citoyens
de certains décideurs avec des compétences quand même extrêmement importantes. Je tiens à rappeler que le conseil régional, c'est quand même les conséquences économiques, les compétences économiques, c'est la compétence transport. Ben, je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Et on les a éloignés de... C'est les lycées. C'est de la compétence de la région aussi. Et on l'a éloigné vraiment du territoire. Donc, pour moi, il faut vraiment revenir à la base, au plus proche de nos concitoyens. Donc oui, on a besoin d'une vraie décentralisation. Là-dessus, j'ai une légère divergence parce que la décentralisation, c'est souvent assimilé à compétence. Je pense que c'est l'erreur qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les compétences qu'il nous faut, il faut qu'on ait des territoires de projet. Quand on a fait la loi NOTRe avec les intercos, depuis longtemps, d'ailleurs, depuis chez Benoît, on a transféré des compétences des maires vers les intercos. On se retrouvait aujourd'hui avec des maires qui n'ont plus de compétences, qui ne peuvent plus mener les politiques pour lesquelles ils ont été élus à travers même leurs projets municipaux, parce que tout a été transféré au niveau de l'interco. Et ça, je pense que c'est une faute. Une intercommunalité devait être un espace de projet. De projet avec les compétences municipales portées par les maires, et ça permettait une meilleure collaboration. On a souvent trop tendance à dépouiller ou l'État ou d'autres à travers la décentralisation. Et ça, c'est le passé qui l'a fait. C'est l'histoire. Et donc, on va mener un projet de loi qui s'appelle la 3D, qui justement va être décentralisation, déconcentration et différenciation. Voilà. Pour avoir une approche différente. Déconcentration, c'est qu'on va prendre des services administratifs de l'État qui sont dans les grandes métropoles ou à Paris. C'est le cas d'ailleurs qu'on va avoir dans les Landes, puisque les services finances publiques vont être transférées dans la ville de Dax. Plus de 60 emplois vont être transférés, qui étaient centralisés sur Bordeaux ou au-delà. Ça, c'est la déconcentration. Différenciation, c'est permettre au territoire, justement, de prendre les compétences qu'ils veulent à travers les projets qu'ils veulent porter. Et donc, on aura une approche beaucoup plus fine, beaucoup plus intéressante, à mon avis, qu'une décentralisation telle qu'on l'a faite dans les années 80. Il ne faut pas que ça devienne de la loi 4D avec débrouillez-vous et qu'il y a un vrai accompagnement de l'État. Le 4e D, c'est député. On va remettre au cœur du débat public et politique. Donc une étude de la Tribune, faite en 2019, montre que 60% des Français n'ont plus vraiment confiance dans le gouvernement. Pourquoi cette défiance est-elle renforcée par la crise du coronavirus ? La parole à ceux qui n'ont pas confiance. Moi j'ai confiance, je le regrette. Et je pense qu'il y a... Des sujets très importants. On est dans un pays qui n'est pas facile à gouverner aussi. Il faut, quel que soit le gouvernement depuis longtemps, c'est difficile de pouvoir avoir un taux de confiance élevé. Il faut savoir aussi que le président de la République a été élu avec un premier tour de la présidentielle à un peu plus de 20%. Enfin, 50%, il a fait le second tour. Donc, c'est normal aussi que la confiance corresponde déjà sur son socle. Du tour du premier tour de la présidentielle, une vingtaine de pourcentage, ce qui ne veut pas dire qu'après, derrière, il n'est pas capable de rassembler au-delà. Mais je vous dis pour le président actuel, mais c'est le cas depuis pas mal de temps. Aucun président n'a fait plus de 50% au premier tour. Donc qu'une confiance soit inférieure à 50%, quelque part, ça peut plus ou moins se comprendre. C'est ce qu'on trouve en général très vite après l'élection, parce qu'il a su rassembler, et très très vite, chacun retrouve un petit peu ses amis, ses critiques. Et chaque gouvernement a malheureusement, mais c'est comme ça, beaucoup de mal à pouvoir, je dirais, garder un taux de confiance élevé. Donc certainement qu'il faut associer beaucoup plus les citoyens aux prises de décision, certainement qu'il y a des choses à mettre en place, à découvrir sur la démocratie participative. Mais j'aime pas trop ce mot-là, parce que je crois que si on a des élus, et que les élus sont là aussi pour trancher, prendre des décisions, avoir le courage de les prendre quand il faut les prendre, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, peu importe, il faut aussi avancer. Voilà, c'est ça aussi le rôle de l'élu, c'est de représenter des citoyens. Donc ressortir, comme certains veulent faire, dans la démocratie participative, les prises de décisions, les remettre sur les citoyens au lieu de les reprendre, alors qu'ils ont été élus et qu'ils ont cette légitimité, il faut faire attention aussi à ne pas aller trop loin. C'est mon point de vue. Je répète un peu, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois maintenant vous quitter. Comme je vous avais dit, j'ai un avion, mais voilà, mais je ne veux plutôt pas que mes collègues ouvrent plus de choses et pourront poursuivre ce débat. Merci beaucoup à vous. Pour votre participation, merci beaucoup. Manuela Hidara. La confiance est compliquée, hein, parce que si on voit les années défiler, peu importe le gouvernement, il y a toujours une perte de confiance. Seul le bilan
réalisé par rapport à ce qui a été annoncé peut faire foi. Donc il y a des annonces qui sont faites. L'objectif principal doit être atteint, donc se donner des objectifs, relever les défis. Et là, on va, je pense, gagner la confiance. Mais quoi qu'il arrive, on ne fera jamais l'unanimité. Donc faire le travail avec le concours des habitants, ce sera déjà une bonne chose. Alors, pour reparler justement de l'écologie, cette conscience écologique qui est très présente chez les jeunes, on remarque quand même que Europe Écologie Les Verts a une partie assez importante au niveau de l'écologie. Est-ce que l'écologie ne devrait pas plutôt faire partie intégrante, voire même être majoritaire dans les partis politiques, plutôt que d'avoir un parti qui s'en occupe principalement ? En fait, la réalité des choses, c'est que la majorité des partis politiques... Alors là, vous parlez à un des députés qui a été élu sans investiture de parti politique. Donc moi, j'ai été élu sans étiquette. Mais c'est vrai que depuis que 3 ans que je suis élu... Non, j'ai toujours pas de carte. Mais depuis que je suis élu, je regarde ce qui se fait. Tous les partis politiques parlent à minima d'écologie. Certains un peu plus. Par contre, tous ne l'ont pas dans leur titre. Alors c'est sûr que c'est plus facile de parler d'écologie quand on s'appelle Europe Écologie Les Verts. C'est un peu plus... Non mais voilà, il y a... Mais honnêtement, moi je parle pour l'UDI, qui est... je suis avec Jean-Christophe Lagarde, le groupe parlementaire UDI indépendant. Il y a une forte connotation écologique dans toutes les propositions de ce parti. C'est le parti héritier de Jean-Louis Borloo, du Grenelle de l'environnement, etc., qui depuis bien des années est tout à fait légitime pour parler de l'environnement, bien avant que ça devienne l'un des sujets principaux qu'on entend sur les postes de télévision et lors des débats télévisés. Donc l'UDI, depuis de nombreuses années, parle d'écologie. À un moment donné, c'est aussi vrai pour les socialistes, c'est aussi vrai pour, les LR ou l'UMP, ou comme vous les appelez, mais la majorité des partis, très honnêtement, parle d'écologie. C'est toujours dommage de dire, de montrer du doigt un parti juste parce que le logo est vert et qu'il y a écologie dans le nom, dire « Ah bah c'est vous les chantres de l'écologie, c'est vous les vrais prophètes de l'écologie ». Je suis désolé, c'est loin d'être le cas. Honnêtement, chaque parti, chaque groupe parlementaire a dans son programme, dans ses idées, une part d'écologie. Oui, je crois que la question sur être climato-sceptique, je crois que sur le diagnostic, est très largement partagé par l'ensemble des familles politiques. Après, tout le débat politique, c'est sur le chemin pour surmonter les difficultés. On a les accords de Paris, que vous connaissez, on a des objectifs à tenir en termes de réduction de nos émissions. Comment on fait ? Il ne suffit pas de dire on va sortir du véhicule thermique, on va abandonner le diesel. Il faut quand même dire comment on fait. Quelles en sont les conséquences, par exemple, pour les 15 000 ouvriers qui travaillent chez Bosch, à Saint-Jean Industrie, aux Fonderies du Poitou, qui pendant parfois 30, 40 ans ont été ouvriers, ont bien fait leur boulot, et du jour au lendemain, parce qu'il faut, par nécessité écologique, sortir de ce diesel, qu'est-ce qu'on leur propose ? Qu'est-ce qu'on leur raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte aux 12,5 millions de Françaises et de Français qui vivent dans des passoires énergétiques ? Qui vivent aussi mal, qui se chauffent mal, avec des conséquences sur la santé et puis sur tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui sont prisonniers de leurs véhicules, qui ne pourront pas en changer et peut-être plus regagner les centres-villes parce que le niveau de pollution de leur véhicule leur en interdira. Comment la question environnementale, elle est éminemment une question sociale. Voilà. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au changement climatique, on n'est pas tous égaux face à la santé environnementale. Et donc, nous, dans la façon dont on appréhende les choses, on dit, écoutez, voilà, il y a 100 milliards d'euros d'investissement à faire dans la transition écologique chaque année pendant au moins 10 ans. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle la dette environnementale, la dette climat. Comment on la finance ? Moi, je propose l'équivalent de ce qu'on appelle une caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est-à-dire, on emprunte pendant 10 ans, on rembourse sur 50, et on affecte au remboursement de cette dette une fiscalité choisie, dédiée. On fait ça pour la dette sociale, pour le fameux trou de la sécu, on peut le faire. J'ai proposé, ça n'a pas beaucoup intéressé le gouvernement, mais enfin, je commence à avoir l'habitude, j'ai proposé une prime climat, qui est assez simple. On a
une stratégie nationale bas carbone. On connaît le nombre de passoires énergétiques, de catégories F, G, après ça remonte dans l'efficacité énergétique. On sait qu'on a 18 milliards d'investissements à faire chaque année pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ça, on peut tourner autour du pot. Hein. C'est ce qu'on a à faire, sinon on n'atteindra pas l'objectif. Et là, j'ai fait une proposition avec une partie des travaux subventionnés, une partie avec remboursement différé. Comme le principal obstacle, c'est ce qu'on doit sortir comme argent, et au moment des travaux, on ne sort rien. Et on remboursera au moment de la revente, au moment d'un héritage, etc. etc. On a fait des propositions extrêmement précises. Et moi, je suis pour une écologie du quotidien, une écologie à hauteur d'homme. C'est l'écologie des inégalités, c'est l'écologie des opprimés. C'est souvent l'écologie des femmes, ce qu'on appelle l'écoféminisme, parce que elles ont été, dans la crise par exemple, et dans toutes les crises climatiques, elles sont souvent les premières victimes. Est-ce que vous savez que dans le tsunami, il y a eu plus de femmes noyées parce qu'on ne leur a pas appris à nager? D'ailleurs, l'ONU a rendu un rapport, il y a 14 fois plus de chances de mourir d'un accident climatique quand on est une femme que quand on est un homme. Et je pourrais vous décliner ce que ça signifie, hein, les métiers pénibles, des ouvriers exposés aux produits chimiques, des agents d'entretien qui sont aussi souvent des femmes, exposés à des produits chimiques, et 17 ans de différence d'espérance de vie entre nous tous et puis les égoutiers. Voilà, et c'est ça l'écologie, c'est apporter des réponses, c'est la prise en compte de la pénibilité au travail, etc. etc. Je voulais rebondir sur ce qui avait été dit. L'accord de Paris qui a été signé en 2015, c'est bien un moment historique. C'est le monde entier qui signe collectivement pour faire en sorte qu'en 2050, il y ait moins 2 degrés Celsius sur la température mondiale. Donc ça veut bien dire que la question est collective et n'appartient pas à un bord politique. Voilà, tout le monde est concerné. Si je reviens sur les Jeux Olympiques qui sont une vitrine internationale, le choix d'avoir le village olympique à l'Île-Saint-Denis s'est fait à partir du projet de ville. Le projet, c'est qu'on a, il y a plus de 20 ans, pensé à faire un éco-quartier fluvial, puisque l'Île-Saint-Denis est situé entre, on a la Seine des deux côtés, donc on est véritablement une île. Et cet éco-quartier, c'est un quartier qui fait 2 hectares où aucun véhicule ne passe, donc ce qui va inciter à la mobilité douce, à la marche, une centrale de mobilité à l'extérieur de l'éco-quartier. Et ça, c'est des choses auxquelles on a pensé il y a plusieurs années. Et si dans chaque ville, chacun se dit il faut avoir un objectif, on ira beaucoup plus vite. À l'Île-Saint-Denis, nous avons signé au conseil municipal de juin 2019 la ZFE, zone à faible émission. Donc on est en zone 30. On favorise la mobilité douce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, ce sont des petites choses qu'on peut faire très facilement. Juste très rapidement, quand même, pour venir sur l'écologie, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que vous avez l'écologie médiatique, ce qu'on entend, et la réalité des choses. Je prends l'exemple des voitures électriques. Aujourd'hui, on dit, tiens, il faut énormément de voitures électriques, ça consomme moins. Le problème, c'est qu'on a une vraie problématique sur l'extraction des terres rares, déjà, qui est en train de massacrer certaines terres, notamment en Chine. Et à instant T, on ne sait toujours pas recycler les batteries électriques. Donc, demain, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces batteries qui seront épuisées? On ne le sait toujours pas. Donc, je ne suis pas sûr que pour l'environnement, sur le long terme, ce soit meilleur. Premier exemple. Deuxième exemple, les centrales nucléaires. On a aujourd'hui une empreinte carbone en France qui est 2,5 à 3 fois moins importante qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, ils sont au charbon et en France, on a des centrales nucléaires. Néanmoins, on nous dit qu'il faut fermer les centrales nucléaires. Alors, on parle du parti que vous citiez tout à l'heure, chantre de l'écologie. Il faut fermer les centrales nucléaires, c'est dangereux, etc. Mais c'est ce qui permet néanmoins d'avoir une empreinte carbone bien moins importante que nos voisins. Et c'est pour ça que l'écologie, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a une zone grise qui est extrêmement importante, sur laquelle il faut discuter. Il y a des arbitrages à faire, mais voilà, c'est pas manichéen. On a constaté que certains hommes politiques voulaient une nouvelle République qui pourrait répondre à certains problèmes. Donc, pensez-vous que c'est une bonne chose? Alors moi,
je ne supporte plus la République dans laquelle nous sommes, dans son fonctionnement institutionnel. Et je parle sous le contrôle de mon collègue, on a quand même de temps en temps dans l'hémicycle un sentiment d'inutilité et d'impuissance considérable. Alors je le dis avec brutalité, pas le constat désenchanté d'un jeune député, c'est simplement une réalité objective qui nous oblige à nous poser la question de notre fonctionnement. La démocratie manque de vitalité. On a une 5e République qui est à bout de souffle, qui est pathologiquement incapable de faire du compromis, qui est polarisée autour de l'élection présidentielle, avec un homme qui ne rend de compte qu'une fois tous les 5 ans, qui est irresponsable devant le Parlement. Un Parlement qui a peu de moyens pour travailler, peu de moyens d'initiative, peu de moyens de contrôle, et qui, avec le système majoritaire, le risque de dissolution, en réalité, vote à peu près tout. Alors qu'on a besoin, précisément parce qu'on a de grands enjeux, avec des choix parfois difficiles à faire, il faut qu'il soit le plus largement partagé. Et donc moi, en effet, je suis pour un régime parlementaire, voilà, très parlementaire. Ça veut dire que le président de la République, je suis pour qu'il soit assez largement dévitalisé dans ses pouvoirs et que ses prérogatives soient transmises au Premier ministre qui, lui, procédera de la majorité, une majorité d'ailleurs qui pourra être faite de la diversité des sensibilités qui auront conclu un accord de gouvernement. Et moi, je pense que c'est l'une des meilleures façons de tenir les engagements pris devant les électeurs et qui dirigera véritablement la politique de la nation. Il se trouve que moi, dans mes fonctions précédentes, j'ai succédé à Emmanuel Macron, j'étais secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et donc j'ai vu ce qu'était ce qu'on appelle le bicéphalisme, deux têtes, le Premier ministre et le Président. Mais franchement, c'est particulièrement inconfortable. Donc on a besoin de clarifier tout ça, de donner de la puissance au Parlement, d'instituer la participation citoyenne. Voilà, je pense qu'il faut des citoyens dans le processus législatif, dans le processus de contrôle, dans le processus d'évaluation, pas de façon concurrente avec les représentants élus, mais dans une forme de co-construction, pour redonner de la vitalité perdue. Parce que la perte de confiance, elle est aussi liée à ça. Elle est aussi liée à ça. Puis elle est liée aussi au fait qu'on a quand même beaucoup baissé les bras face aux dérives libérales, considérant qu'on était paralysé et qu'on ne pouvait rien faire. Ben, la confiance s'est perdue quand on a abdiqué. Donc tout l'enjeu de la retrouver de la force, c'est d'avoir un système institutionnel qui permette d'exercer la puissance publique face notamment aux intérêts de la puissance privée, de créer du commun, de créer de l'intérêt général, et puis de montrer aux gens qu'on sert à quelque chose et qu'on peut sauver et qu'on peut changer leur vie. Donc oui, moi je crois qu'il y a en miroir une ambition politique, une organisation institutionnelle, et donc une organisation de la République. Alors après, est-ce que c'est la 6e, la 7e, on peut toujours être dans la surenchère, peut-être que pour la 9e. Juste rapidement, alors. Je ne suis pas pour la 6e République telle qu'elle peut être énoncée par le parti politique, j'imagine, pour laquelle vous avez tiré, de laquelle vous avez, du programme pour lequel vous avez tiré cette question. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Boris. On a besoin de donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement. Et on s'en rend compte tous les jours. On est une majorité. C'est dommage que notre collègue soit parti. C'était le cas au début. C'est un peu moins le cas maintenant. Mais on avait vraiment une majorité qui avait le doigt sur la couture du pantalon, qui obéissait à tout ce qui était dit par le gouvernement et donc par le président de la République. Et c'est extrêmement compliqué de discuter. Il n'y avait pas de débat au sein de l'hémicycle. Nous sommes élus pour représenter, je le disais tout à l'heure, élus nationaux, mais aussi élus représentant nos différentes circonscriptions. La démocratie représentative, moi j'y suis complètement favorable, dès lors qu'elle a les moyens de faire sa mission. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les moyens de faire notre mission, mais les moyens, des moyens humains, mais aussi des moyens en termes de compétences, de pouvoir propre, de faire ce pour quoi on a été élu. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on est vraiment dans un régime hyper présidentiel. Et donc, je pense qu'on a vraiment nécessité à revenir dessus. Mais pour ça, il faut que lors d'une prochaine élection, on ait un président, un gouvernement qui n'ait pas peur de perdre de son pouvoir pour le donner au Parlement. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à la conclusion de l'émission. Donc, concrètement, en une minute, si vous aviez les moyens de changer les choses pour la jeunesse, que feriez-vous ? Je leur donnerai la parole pour qu'ils s'expriment et que les propositions viennent d'eux. Ils sont les mieux placés pour dire ce qu'il faut.
Donc qu'ils soient force de proposition et les inciter à s'investir et à être acteurs et non passifs. Non, mais alors vous savez qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de débats en ce moment. Il va y avoir dans l'hémicycle bientôt la question du droit de vote à 16 ans. Moi, j'y suis assez favorable. J'y suis assez favorable, d'abord parce que dans l'équilibre démographique, comme il y a un vieillissement de la population, qu'on élargisse la base électorale de la jeunesse, c'est pas une mauvaise chose. Parce que penser à la jeunesse tout le temps, tout ce qu'on fait, c'est la meilleure façon de ne pas sacrifier le présent à l'avenir. Et on est dans ce moment-là, avec l'urgence climatique, qui est ne pas sacrifier l'avenir au présent. Et donc, encourager à la participation, encourager au vote, encourager à l'engagement, ça me paraît être une des recettes de l'émancipation de la jeunesse qui elle-même peut se préparer l'avenir qu'elle mérite, qui n'est pas nécessairement plus sombre que celui de ses parents. Je pense que moi, je ne vais pas du tout faire de l'analogie. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est devant un certain nombre de jeunes qu'il faut dire qu'ils ont plus leur place. En fait, la réalité, c'est que les jeunes ont tout autant leur place que les autres générations. Et pour ça, il faut aussi qu'ils la saisissent, qu'ils saisissent cette chance, qui est une chance de voter. Je rappelle quand même qu'on a un certain nombre de nos arrière-grands-parents qui sont décédés pour qu'on puisse avoir ce droit de vote, ce droit de choisir notre avenir. Et pour ça, il faut déjà dire que les jeunes comme les moins jeunes ont des droits et des devoirs, et que le droit de vote, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Donc si on veut que les jeunes fassent plus, s'investissent plus, il faut aussi qu'ils commencent déjà par aller voter, qu'ils prennent leur destin en main, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'ils s'investissent aussi dans les élections. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez vous-même envie, je pense, en tout cas une certaine appétence pour la chose publique, et peut-être demain, envie de vous investir dans des échéances électorales. Il faut le faire. Il faut le faire, et c'est dans des conseils municipaux, c'est à l'Assemblée, dans différentes collectivités, que les jeunes feront aussi entendre la voix des jeunes, la sensibilité de ce que vous-même et vos pairs ressentez, pensez, et ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir écrire un avenir meilleur. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est d'un côté faire son devoir, et de l'autre s'investir, prendre les choses en main pour pouvoir changer le futur. Merci d'avoir suivi cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci Lunel Kos, merci Madula Aydara Diaby, merci Boris Delot, merci Christophe Najlen. On se retrouve très vite sur Demain Citoyen, suivez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook et aussi sur Discord. À très vite.